Pour ce montage de gamard, je vais utiliser un hameçon courbe. Ici, c'est un numéro 12, parce que c'est un modèle relativement gros et lourd. Ensuite, je vais prendre un fil de plomb. Alors, le fil de plomb va être adapté à la taille du modèle. Il en existe différents qui peuvent permettre justement d'adapter le lestage à la taille de l'hameçon. Donc ici, j'ai pris un 0,6 que j'enroule copieusement autour de la hampe de l'hameçon. De la courbure vers la tête. Alors je mets suffisamment de plomb parce que je veux que mon modèle soit lesté et aille tout de suite pêcher au fond de la rivière, là où se tiennent en général les gamards. Voilà. Donc une fois qu'on a bien garni la hampe de son hameçon, à l'aide d'une pince plate, on va aplatir le plomb, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plat et qui correspondra un peu à la forme générale de cette gamard. Ensuite, je vais utiliser une soie de montage qui va être de la couleur du dubbing. Donc sur ce modèle, j'utiliserai un dubbing qui va être un ice dub dans les olives. Et donc je vais utiliser une soie de montage olive pour être en cohérence avec la couleur de mon dubbing. Donc l'intérêt de commencer de la tête vers la courbure, les enroulements, c'est que ça consolide le plomb sur la hampe et ça lui évite de glisser en fin de montage. Donc ensuite on fait une petite boucle à dubbing et on ramène la soie de montage vers l'avant, puisque maintenant on va enrouler ce fameux ice dub olive dans cette boucle à dubbing. Alors il s'agit de prendre peu de dubbing parce que l'intérêt de ce modèle, qui est assez simple à réaliser, vous le verrez, c'est que on va utiliser la transparence du corps pour à faire apparaître les enroulements de spire de plomb, ce qui donne un côté assez réaliste parce que ça représente un peu les nervures naturelles de la gamard. Donc on enroule son dubbing. Et une fois qu'il est bien torsadé, on va le positionner sur la hampe. Alors là, c'est pareil, comme je vous ai dit qu'on allait privilégier la transparence, on ne surcharge pas au montage les enroulements. Je les fais relativement espacés pour permettre justement d'avoir pas énormément de matière, suffisamment pour représenter la masse du corps et puis simuler les pattes lorsqu'on va les ramener ça vers le bas, mais pas trop pour qu'on conserve cet aspect de nervure naturelle du fil de plomb. Donc une fois qu'on a fini ces enroulements de dubbing, on peut faire un whip finish pour terminer sa mouche ou bien une boucle, hein, c'est vous qui faites en fonction de vos habitudes de montage. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre toutes les fibres vers le bas pour pouvoir placer une colle UV sur le dos. Cette colle UV représentera par la suite la carapace de la gamard. Donc on positionne sa colle sur le dos du modèle. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ajuster
alcool et on va la polymériser à l'aide d'une lampe UV. Vous voyez qu'on voit apparaître les stries du plomb. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, une fois qu'on a fini la polymérisation de sa mouche, on enlève le surplus parce que là il y en avait quand même beaucoup sur le bas du modèle. On a juste, en fait, on adapte la quantité de ce qui est censé représenter les petites pattes du modèle. Et voilà, on se retrouve avec une très jolie petite gamare extrêmement efficace que vous pouvez décliner en différentes tailles, en différentes couleurs et qui vraiment donne de très bons résultats, facile à monter. Voilà.